Salut tout le monde, bienvenue sur ZDJ. Aujourd'hui sur ZDJ, on va jouer à... Bonjour tout le monde, bienvenue sur ZDJ. Bon. Aujourd'hui sur ZDJ, on va jouer à Battlefield Online. Jeu sorti le 19 mars 2015. Donc là, je suis allé chercher hier. Là, en fait, ça c'est la vidéo de dimanche. Parce que hier dimanche, je suis allé pirater le jeu. Puis l'installer. Il a pris extrêmement de temps, donc là il a fini hier soir vers minuit 1h, fait que c'est là qu'on joue. Donc là, c'est dans notre journée, c'est un peu trop long. Regardez les paysages de notre belle nation tant que vous le pouvez, gentlemen. C'est la dernière fois que vous en profiterez avant longtemps. Nicolas Mendoza. Putain. Un type comme toi, t'as dû bien merder pour atterrir chez moi. Ouais, vous feriez mieux de sécuriser votre arme avant que l'une de ces charmantes personnes ne vous la utilise. C'est un plaisir de voir des flics pourris échouer dans mon bus. C'est une preuve que le système fonctionne. Profitez du voyage, inspecteur. Donc, hop, on frappe un pont. Police, on va rentrer. Police, sale de vous, faites ça, on vient de l'été, on marre des vidéos. Allez, les marre des vidéos, reculez, éloignez-vous de la porte. Mais là, vous allez quand on est un char, ça va être une porte portuelle. Vous avez son entraînement en poursuite. Oh, on l'en, reste à distance et cette tuer personne. Ça faut qu'on l'arrête tout de suite. On dirige vers le nord sur Matteo. Demandons des renforts. On tourne à gauche sur Crocker depuis Matteo. Carrefour dégagé. Allez, accélère.
Attends que je m'approche. Maintenant, soldat. Grosse musique d'ambiance quand même. On s'en plaint pas. Il y a moins de bonne musique. Non, non, dans là on a fait un prologue, donc là on fait l'épisode 1, retour à l'école. Donc vous pouvez lire si vous voulez là, ce qui est écrit en bas. En attendant, Stoddard, vous êtes en mission spéciale. Inspecteur Mendoza est là-haut, dans mon bureau. Vous vous connaissez déjà? En quelque sorte. Bien, je vous mets en équipe. Vas-y. Mendoza, vous avez récupéré plusieurs kilos de cocaïne aujourd'hui. Félicitations. Et maintenant, dites-moi pourquoi la coke est cachetée. La marque du fabricant, pour prouver qu'elle n'a pas été coupée. C'est exact. Et votre coke portait un cachet qu'on n'avait encore jamais vu. Votre suspect du jour affirme qu'il l'a obtenu auprès de Tyson Latchford, avec qui l'inspecteur Dao s'est pas mal pris la tête. Vous allez me le ramener par ici, histoire qu'on discute un peu. Monsieur, la dernière mission de Mendoza sur le terrain, si je peux me permettre, a été un gros merdier. Vous vous entendrez à merveille. Rompez. Juste pour info, je suivais la piste de Stoddard dans la chambre d'hôtel. Je dis pas le contraire. Mais trêve d'excuses, inspecteur. Non, non, c'est pas des excuses, c'est du contexte. Parle-moi plutôt de ce type, Tyson Latchford. Il vit de la coke corrigée aux incapables. C'est gars que t'as chopé. Tyson joue dans une autre dimension. Mais parfois, il fait un beau geste pour ses anciens compagnons de galère. Alors faudrait qu'on en chope un. Tu lis dans mes pensées, dis-moi. Fais gaffe à toi ce soir. La guerre de la drogue, c'est pas détendre. Je suis au courant. J'ai perdu 2 amis en moins de 6 mois. Des types en patrouille. Ouais, j'ai appris ça. Je suis désolée. Moi aussi. Miami part en couille. Ah, c'est pour ça qu'on est là, non? Pour faire le ménage. Stoddard avait raison sur toi. Comment ça? Il disait que tu kiffais le boulot de flic.
Inspecteur, inspecteur. Oh, merde, pas lui. Le pare-brise est sale. Je vous le nettoie. Wow, 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 n'arrose pas mon pare-brise. Hey. Ok, ok. Et si, filez-moi juste, filez-moi $5. Ok, je sais. C'est juste que je suis un capitaliste. Je regrette, mon vieux, pas pendant le service. Ok, d'accord. Très bien. Allez, inspecteur, occupez-vous bien de notre quartier. Soyez prudents, d'accord? Connard! Tiens, on n'est pas très loin du quartier où j'ai grandi. Sérieux? Belle ascension, dis donc. Laisse-moi deviner. Toi, tu viens de South Beach? Non, pas du tout. Los Angeles, en fait. Orange County. Non. Beau déclin, dis donc. Ouais, on peut dire ça. Qu'est-ce qui se passe? Une saisie de drogue, sûrement. Hé! J'ai pas dit que j'étais d'accord pour qu'on me fouille! J'ai des preuves contre toi, crétin. Pas besoin de ton consentement. Hé, hey, Guzman! Qui c'est, celui-là? C'est notre vieux pote Hux! Il avait un coffre bourré jusqu'à la gueule de Hot Shot. Couchez-toi! Hux! Tu sais où est ton ami, Tap? J'en sais foutrement rien! Vous cherchez Tap? Ouais, tu l'as croisé? Non, mais j'ai vu son pote Briggs traîner avec la bande de Taps sur la 12e. D'accord, Guzman. Merci pour le tuyau. Bien vu, inspecteur. Putain de merde, ouvre-moi! Je suis chez moi! Je peux pas l'empêcher de m'envoyer des textos. Alors, t'as grandi ici, mais t'es pas né à Miami, c'est ça? Non, je suis né à La Havane. Sérieux? Comment t'es parti? Avec ma mère. C'est une femme sacrément résistante. Et ton père? Aucune idée. Ça doit faire au moins 20 ans que je l'ai pas vu. On a mis autant de distance que possible entre lui et moi. Il est toujours à Cuba? À mon avis, il doit être mort. Et ça me va très bien. On dirait un vrai gentleman. Oh, il sortait du lot, y a pas à dire. Donc là, je fais rien parce que là, y a rien à payer dans le fond. Vous pouvez juste regarder comme ça. Julien? Fait que là, y'a rien à faire de spécial. Y'a du genre à faire, mais pas là, tu sais. Putain! Hé, ralenti. Ok. Tout va bien, madame? Ce putain de couvercle ne rentre pas! Bonne journée, madame. Ta gueule! Tu veux que j'appelle du renfort, Mendoza? Ouais. Le PC pourrait nous envoyer une équipe du SWAT. Pour quitter le véhicule. Ici équipe 13, nous quittons le véhicule. La mairie a bloqué le quartier. Du coup, il n'y a qu'une seule sortie. Tu m'étonnes que les gens ont des ras-le-cul. Tu sais, au pire, on roule un char, mais le pire, c'est que c'est même pas un char de flic. Le type qu'on recherche traîne dans le coin, en général. Est-ce que tu connais le quartier? Ouais, mais ça fait un bail que je suis pas venu. Je préfère te suivre. Merde. Vous fourrez des trucs dans votre pantalon. Thomas, m'oblige pas à vérifier tes poches parce que je sais ce que j'y trouve. Ça se voit. Robin, dis-lui de se tenir à carreau. Et mets ça dans un sac. J'ai pas vraiment de sac. J'ai pas de sac. Regarde, voilà Briggs. Fais gaffe à toi, Mendoza. Ce type est imprévisible. Toujours
Non, non, bah ouais, les gars, la bombe, personne va nous dire ce qu'on va trouver là. Le CBCG, vous avez sorti votre icing, ce qui fait que les autres, ils bougeront plus. On bouge plus. Vous voulez quoi? Police de Miami, on a des questions à vous poser. Inspecteur, c'est qui lui? C'est mon nouveau coéquipier, Briggs. On joue à qui sera le flic le plus méchant. Ton pote Tap, où est-ce qu'il est? Va te faire mettre. Ok, on va laisser tomber les politesses. Nick, occupe-toi de lui. Allez, on n'a pas toute la journée. What? Vous voulez quoi? Police de Miami, on a des questions à vous poser. Inspecteur, c'est qui lui? C'est mon nouveau coéquipier, Briggs. On joue à qui sera le flic le plus méchant. Ton pote Tap, où est-ce qu'il est? Va te faire mettre. Ok, on va laisser tomber les politesses. Nick, occupe-toi de lui. Attends. Allez, dis-moi où est Tap et on te laisse filer. C'est de la brutalité policière, merde. Ce soir, il est au canapé, ok? C'est tout ce que je voulais savoir. Allez, Mendoza. Vous vous en tirerez pas toujours comme ça. Je connais mes droits. Quoi, on va simplement le laisser là? Et voilà. C'est pas très malin. Non, mais je suis sûr qu'il a essayé de buter un flic infiltré l'an dernier, et je l'emmerde. Allez, le canapé est trapé dans les logements d'Arcola. Il va pas s'éterniser. Oh, merde, c'est le gang de Tap là-bas. Vaut mieux pas qu'il sache qu'on arrive. Suis-moi. Vas-y, qu'elle passe. C'est très aimable. Désolée d'avoir dit que t'avais fait un gros merdier. Apparemment, ça n'a pas été facile. Mais t'as assuré. Qu'est-ce que tu penses de Stoddard, d'ailleurs? On n'a pas fait équipe longtemps. C'est une bête sauvage. Et sa cage est grande ouverte. Donc là, on continue à avancer. On sait que Tap, c'est au canapé. De Tap. Si quelqu'un nous voit, il saura qu'on est là. On a intérêt à se la jouer profil bas. Ok. Donc avec ça, on peut lancer des douilles pour éloigner les suspects et rester discret. Donc avec ça... C'est quoi ce bruit? Daryl! On dirait qu'un truc est tombé du toit. Putain. Je voudrais bien que si la clim nous lâche, je vais cliquer chez ma sœur. Si ça se casse, je répare. J'ai tiré une douille, j'ai tiré une deuxième douille, ça en fait pas exprès, ça n'a rien fait. Et puis ça, je vois ça, je sais pas par derrière. Tapez juste devant.
Mais pas moyen qu'on passe ces deux types-là sans en éliminer au moins un. Tu pourras les séparer? Ouais, pas de problème. C'est la loi de la rue. Tu parles de moi. Personne. T'as entendu quelque chose? Et voilà. La voilà est à la Jetta. Il est juste là. Notre homme devrait être juste devant. Il y a 2-3 millions d'années, il y a ce type là, Thierry, avec un... Oh merde. Salut, Tab. Non, te barre pas parce que je te courrai après. On cherche Tyson. T'es son nouvel équipier? Elle t'a déjà fait ça, des mots de karaté? C'est du Krav Maga, le karaté c'est de la connerie mystique. Tu me fais grave délirer. Tap et Tyson sont amis d'enfance. Deux petits blancs fans de ce ghetto. Tap est resté ici. Lève-toi, main sur la tête. Hé, hey, Tyson, où est-ce qu'il est? Il y a un paquet de monde qui recherche Tyson. Vous lisez pas la presse? Il cherche la discrétion. L'espérance de vie est en chute libre dans le business, mais vous apprends rien, je crois. Hein. Ouais, on s'est dit que tu pourrais nous rencarder à ce sujet. Vous vous trompez dehors la loi, inspecteur. Coffre-moi ce ringard. J'ai cru que tu ne demanderais jamais. J'ai la drôle d'impression que vous prenez un putain de vie à faire ça. Hein. Ouais, au début. Après, on s'en lasse. Là, je suis choqué, mon pote. Ah, oh, j'ai une ordonnance du Tommy pour ça. Je sais que t'as un casier. Je sais que tu caches ta coque sous les poubelles du coin de la rue. Je sais que ton guetteur nous a vus et qu'il doit être en train de tout planquer. Et sérieux, il a l'air beaucoup trop jeune pour ce genre de conneries. Alors ouais, s'il faut t'embarquer pour des pensions de drogue, on fera. Qu'est-ce que vous attendez de moi, au juste? Ok, interrogatoire. Donc là, il va falloir arrêter Tyson, donc le mec qui leur fournit la coke dans le fond. Hey, ça va l'oreillette? Ouais, elle tient. Hey, micro? Dis quelque chose. Bénédicte Arnold. Hey, tête de nœud, t'es pas Bénédicte Arnold et t'es pas en mission d'infiltration. Tu entres, tu vois si Tyson est là et tu ressors illico. Ben tiens, si c'est si facile, pourquoi vous le faites pas vous-même? Ils font un scan de son visage. Bon, ça va trouver Tyson pour comment... Maintenant, vous faites un scan du visage là. Oui, sauf que j'aimerais savoir il est où. Ok, dans le fond, ça doit être génial. Et on est bon. Venez pour analyser. Ok, c'est fait. Ton scanner est connecté à toutes les bases de données locales et fédérales. Donc, TAF, c'est son surnom. Suis-le avec le Surveille ton scanner. Essaie de voir à qui on a affaire. Ce truc est équipé d'un micro-canon numérique. Scanne la zone et écoute. Eric, hey, j'ai pas entendu ici. Est-ce que Tyson est là ou pas? Ouais, je vais lui parler. Compris. Donc là, faut attendre, là, faut surveiller Tap pour qu'il trouve Tyson.
Tyson est juste là. Je te donne 5 minutes. Parfait. Nouvelle arme de pointe débloquée. Qu'est-ce que tu fous là? C'est Tyson. Scanne-le. On a besoin de prouver qu'il est ici. Merde. J'ai pas de ligne de mire sur Tyson. Il va peut-être bouger. Ça craint sévère en ce moment. Tyson! Une toute petite. S'il te plaît. Ok. Assieds-toi. Je vais voir ce que je peux faire, d'accord? No problemo. Il n'y a pas de lézard. Attends une petite seconde. C'est qui ça, putain? Aucune idée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Essaye de scanner autant de mecs que tu peux. Oh merde, ils en ont après Tyson. Allez, faut le rejoindre, tout de suite. PC, ici l'équipe 13, on a des coups de feu, on attaque. Échange de tir à l'angle de la 3e et de la 33e, toutes les unités en alerte. Allez. Donc là, faut aller sauver Tyson, parce que là, il y a des ennemis. Putain, Jason. Arrête, c'est dit. Ça a engagé une équipe de Juarez. Juarez? T'as allé voir encore le truc de l'insigne? Attends, bouge pas. Ces mecs qui tirent à tout bas, d'où ils sortent? J'en sais rien. Enfoiré de flic! Kai! Et voilà, mon gars. Je te couvre, Nick. Donc c'est ça, ça tombe mal. Les alliés qu'on a, ils vont nous aider. Je crois que je le connais, ce type. Scanne-le et regarde s'il est recherché. T'avais raison. Cette vermine de tape nous a pondu droit sur lui. Je savais qu'il avait un casier. Ouais, on les a tous eus. Passe-lui les menottes. On cherche le corps de Tyson. Bouge plus! Tu restes où tu es! Et voilà, le mec qui fallait arrêter. Mais si, envoyez le fourgon. Il est arrêté. Là, moi, je dis, moi, j'essaie de toutes les arrêter. En tout cas, à peu près toutes. Mais des fois, je réussis pas tout le temps. Police, arrête-toi tout de suite. Là, on va passer à eux autres qui guettent la porte là-bas. Arrête-toi tout de suite! Espèce de fils de pute! Et voilà! Venez par ici! Ouais, là j'ai pas eu trop le choix de tuer le suspect. On est bon, on monte à l'étage. Tyson devrait être par ici. C'est quoi ce bordel? Arrête-toi tout de suite! Espèce de fils de pute! T'es fou de... Police! Fais un geste! Hey, qui c'est ça?
Et voilà mon gars. Ne bouge plus. J'ai les mains levées là. Ça marche. Entrée dégagée. Vérifie les salles de classe. Compris. Scanne pour voir s'il y a des indices qui peuvent nous faire remonter jusqu'à Tyson. Donc là, on va scanner des affaires. Les affaires qu'on va scanner, en fait, ça va donner des indices pour essayer de retrouver un suspect ou voir qu'est-ce que le suspect prépare maintenant qu'il se prépare à faire à livrer d'un dog à quelque part, ben on va le savoir. En tout cas, essayer de trouver le plus d'indices qu'on peut. Donc après ça, je sais que ça, faut scanner ça aussi. Non, peut-être pas ça. Je sais que ça, c'est à scanner aussi. Ah, tabarnache, c'est une joke. J'espère qu'il ne faut pas recommencer tout au début. Je sais pas c'est quoi là-bas, il dit que j'ai perdu la connexion au serveur. Hein. Précédemment dans Hardline. Police ! Attends, enfin ! Bon, bien ok. Joué. Scanne pour voir s'il y a des indices qui peuvent nous faire remonter jusqu'à Tyson. C'est un bon début. Il y avait ça. Il y avait ça là. Joli. Souviens-toi, si ça se met à biper, ça veut dire qu'il y a un indice pas loin. Les équipements, c'est là, en fait, vous appuyez sur un, puis là, vous pouvez vous équiper comme vous voulez. Là, moi, je garde l'équipement que j'ai, là, mais vous pouvez vous équiper comme vous voulez, ça sert à faire le plein aussi, comme Battlefield 4 un peu. Et voilà. Viens voir ça. T'as trouvé Tyson? C'est quoi ce bordel? Carrie, regarde ça. Tyson n'est jamais venu ici. C'était une discussion vidéo. Merde. On peut se reconnecter? Oh merde! C'est vous qui les avez conduits ici? Pas vrai? Désolé, mais c'est toi le connard qui s'essayait de buter. Salut Tyson. Eh merde, ça s'arrange pas. Eh, ton pote Tap s'est barré. Je crois que tous tes hommes sont morts. Merde! Écoute, c'était pas mes hommes, ok? Des fois, je leur filais de la cam, c'est tout. Qui essaie de te tuer, Tyson? C'est pas le genre de truc où t'es prévenu à l'avance, tu vois? Dis-nous où tu te trouves, on peut te protéger. Désolé, mais j'y crois pas. Eh merde. Maintenant. Tyson est foutu si on le trouve pas en premier. PC, ici 13. On a besoin de tracer une connexion IP sortante. 13, le traçage est en cours. Et on est connecté. Donnez-nous quelques minutes, 13. Bien compris. On y va. Ça va prendre plus que quelques minutes. Donc on sait ce que faisait Tyson. Mais on n'a aucune idée de l'endroit où il est. Dans la fois là, la voiture. Il y a la voiture, on va falloir qu'on ait trouvé Tyson. Ok. Oh, trouvez cet enfoiré. Merde, Mendoza, faut qu'on sorte de là. Tu crois? Arrête-toi tout de suite! Wow! Faudrait... Encore! Merde! M'occupe de celui-là, Nick.
Arrête-toi tout de suite. Ouais, ouais. Les suspects ouvrent le feu. On attaque. Faites attention à vous. Unité, répondez. Coup de feu signalé. Merci PC, envoyez l'info. Ton pote Tyson n'a pas idée de ce qui va lui tomber sur la gueule. J'envoie une unité sur place. Dès qu'on arrive là-bas, on chope et on se barre. Et voilà, là, il essaie de trouver Tyson. La porte, Mendoza. Bon. Tu sais que t'es censé avoir un mandat. Tout doux, les mecs. C'est bien, t'as révisé ton code civil à ce que je vois. Écoute, on vient pas de coffrer. Il faut partir, tout de suite. Je vais chercher mes trucs. Hé, hey, ça te ferait rien de nous dire ce que c'est que ce bordel. Vous savez ce que je fais toute la journée? Des comptes. Ça fait longtemps que je traîne plus dans la rue. Tout le monde agresse tout le monde maintenant. Je suis toujours du mauvais côté de la barrière. Voilà ce que je sais. Bon, on parlera de tout ça plus tard. Oh, merde. Merde. J'ai touché. Bon. C'est grave pas. Putain. Oh, putain. Ok. Je maintiens la pression dessus, d'accord? W, maintiens une pression. Oh, oh, bordel. Ça fait mal. Je sais. Tiens le coup. On n'est pas là pour vous, les filles. Je vais nulle part. Foutez le camp! Prenez Tyson! Kai, reste avec moi. Chance de ne pas vous être vidé de votre sang. Main en l'air, tout de suite! Bonsoir à vous aussi. Inspecteur, vous laissez cet homme? Qui? Lui? Ouais, c'est un comptable d'ici. Et voilà. Donc, là, on est rendu à l'épisode 2. Sauf que l'épisode 2, on ne le fera pas. Mais voilà, c'était Battlefield Online sur, sur PC. Donc j'espère que, cet épisode vous a plu. Au début, vous avez vu, on a vu le gars qui est en prison, l'inspecteur Mendoza en prison. Ça, c'est une histoire, mais pour savoir pourquoi il a fini en prison, il va falloir que vous fassiez le jeu pour le savoir. Parce que dans le jeu, plus tard, on apprend pourquoi il a été arrêté. Donc sur ça, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo, tout le monde. Peace.